C'est vous, je vous trouve un tuto Fimo, donc ce ne sera pas avec de la Fimo, mais voilà. Donc, ce sera pour comment faire des clous à œil. Donc, comme ceci. Donc, moi, il ressemble à ça. Hein. Voilà. Donc, je les trouve assez jolis. Enfin, assez bien. Donc, en fait, pour ceci, il vous faudra... si vous avez eu des grands clous à œil, donc je vais en chercher un. Et que vous les aviez coupés. Des gros comme ça, des grands, pardon. Comme ceci. Donc, c'est bien des clous à œil. Hein. Très grands. Et que vous avez voulu le couper très petit. Et bien, vous avez le restant. Donc, vous allez le couper en moitié, le restant. Ça va vous donner des petits morceaux. Enfin, un petit morceau. Deux petits morceaux. Et comme ça, après, c'est de ça que part le clou à œil. Qu'on va faire. Donc à ça, il va ressembler à ça. Donc on aura besoin donc de restants de clous à œil. Donc ça c'est l'autre bout de mon clou à œil. Parce que moi j'en ai eu plein des grands comme ça. Du coup j'ai plein de restants. Donc voilà. Et il vous faudra une pince pas coupante. Enfin la mienne est coupante ici, du coup ça me gêne pas. Donc voilà. Donc en fait en première position en fait vous allez venir pincer le bout, mais vraiment le bout, il faut pas trop que ça dépasse de votre restant de clou à œil. Et vous allez en fait venir tourner, donc comme ceci, et comme ceci. Donc bah voilà. Ensuite, dès que c'est fait, bah on va lâcher. Donc voilà ce que ça donne. Après, si vous voulez, moi c'est ce que je vais faire. Vous pouvez le remonter un petit peu. Après, vous l'arrangez de la manière que vous voulez. Donc là, moi, je l'ai un petit peu fait petit. Attendez. Donc, voilà. Donc, après... Et voilà ce que ça donne. Donc c'est super simple à réaliser. Puis après, si vous n'avez pas de restant de clou à œil comme moi, alors plusieurs astuces. Donc vous pouvez utiliser du fil de fer. Moi j'ai pas de fil de fer perso. Donc du fil de fer, c'est un fer en fait. C'est un bout de fer. Comme si, bon, je vous montre une fois. Et en fait, vous pouvez le tordre. Voilà. Ah, moi j'en ai un petit bout ici. Je vais en faire un quand même. Regardez, c'est très simple hein, quand même. Et puis voilà, ça vous coûte pratiquement rien. Puis si vous n'avez pas de clou à œil grand et que vous n'avez pas de reste de clou à œil, et ben, donc j'ai regardé aucun autre tuto de clou à œil parce qu'en fait je m'ennuyais et j'ai vu les restants et je me suis dit pourquoi pas essayer d'en faire moi-même. Donc bah j'ai essayé et bah j'ai trouvé une solution. Donc voilà, donc j'en ai fait trois avec vous, enfin non, deux avec vous. Mais bon, voilà. Donc j'en ai fait plein, donc si vous voulez, je vais tous vous les chercher. Allez, je sais qu'il faut que vous dépêchiez. Attendez, Marie. J'ai bientôt fini. Ah, zut. Je viens d'en faire tomber un. Il m'en reste plus qu'une. Victoire, oui, enfin. Voilà, donc. Aïe. Bah, j'en ai fait quand même pas mal, hein. J'ai encore 5 ou 6 grands comme ça. Donc, avec les restants, bah, je vais en faire. Je sais pas si j'en ai encore ici. Ah oui, je vais faire. Je suis un cacpat par terre, moi. Encore? T'as plus 4 ans? Non, mais j'hallucine, quoi. Il y a des perles partout.
Vous voyez ma tête, on n'a pas le droit d'avoir. Donc, ben voilà, bon, ça ressemble. Alors, je vais vous montrer une grosse différence quand même. Hein. Donc, un clou à comme ça, et les vrais clous à enfin, les vrais. Un clou à comme ça, et un clou à comme ça. En fait, moi, j'aime les deux. En fait, je pourrais pas savoir lequel est mon préféré parce que j'aime les deux. J'aime les deux, donc forcément, on peut pas choisir. Donc, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça veut dire que j'ai eu plus de 12 grands comme ça. Ah oui, plus de 12, en effet. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon, la vidéo n'a pas duré très longtemps. Mais bon, voilà quoi. Allez, à vous de faire votre propre quoi. Bye bye. J'avais pas appuyé sur le bouton.